des bienfaits de la nature. Et c'est pour ça que je voulais parler pour dire qu'il faut d'abord de l'écologie pour bien manger. Et après, c'est le toit le problème en France. Mon frère ne peut plus payer son loyer. Il a 61 ans, il a 2 ans, mon jeune frère, les deux frères. Il est au RSA parce qu'il a, il a dû arrêter de travailler, il a fait du commerce, il a fait faillite. Et là, il faisait de la brocante avec mon autre frère. Ils ont presque pas eu de place au marché. Et ils n'ont pas pu avoir les gains. Donc lui, il ne peut plus payer son loyer. Il a 650 € de loyer. C'est mon père qui lui paye le loyer. Qui est encore vivant, mon père qui a sa retraite. Bravo, bravo. C'est bien que ton père il est encore vivant, que Dieu le garde encore. Merci beaucoup. Mes chers amis, avant de vous quitter, je vais remercier la Marianne de Mai 68, Miss Caroline, qui était avec nous ce soir. Je vais remercier mon ami Dr Ange. C'est un médecin populaire, et il est très populaire, populiste, et c'est un écrivain. Il a fait des bouquins assez intéressants. Je vais avoir le plaisir de l'avoir prochainement sur l'antenne. Je veux vous remercier toutes et tous, que vous êtes fidèles à votre radio. Je vais remercier mon ami Didier Doplège, fondateur de cette radio. Didier, je t'embrasse, je te salue. Et une chose qu'à la fin, je veux vous dire, c'est, mes chers amis, ça concerne toutes ces manifestations-là, en Algérie, Liban, Irak, Hong Kong, la France et surtout l'Iran. En Iran, vous n'avez jamais entendu ce qui est passé réellement depuis le 15 novembre. On dit 100, 200, 300 personnes tuées, mais non. Ils ont fermé l'Internet pendant une semaine, et puisque moi je suis en contact direct, je suis un des premiers, grâce à Didier Doplège, de pouvoir utiliser l'Internet depuis l'année 1995, 14, 15. À l'époque, mes sites étaient uniques. En Iran, personne n'avait pas de site Internet, ni le président, ni d'autres personnes, mais moi j'en avais. J'ai appris de Didier Doplège utiliser l'Internet. Et par l'Internet, par le voix. Vous savez, moi, je ne suis pas trop non plus Facebook. Je l'utilise, par exemple, Facebook. Mais je ne laisse pas être utilisé par Facebook. Vous voyez? Je ne laisse pas. Moi, je l'utilise Facebook, oui, mais jamais je ne me laisse pas être utilisé par Facebook. Pour ça, si vous m'envoyez des messages, vous savez, il y a plusieurs milliers et d'adhérents que j'ai sur Facebook avec plusieurs pages, puisque toutes mes pages ont dépassé les 5000. Permettez-moi de vous dire que jamais je ne peux pas lire, même regarder tous les messages, des centaines de messages qu'il y en a partout, tous les jours. Mais par contre, par YouTube, j'avais appris à mon peuple, avant que la révolte printemps arabe ça commence, comment il peut nous envoyer des vidéos de 1 minute 30 secondes depuis l'année 2008. Je les avais appris. Cet acte a été repris par les Arabes, dans tous les pays arabes ou musulmans, dans le printemps arabe. Et récemment aussi, dans la révolution récente en Iran, depuis novembre, depuis le mois dernier, ça fait un mois, depuis, j'ai reçu énormément de vidéos. Une partie, quand on a mis sur YouTube, c'était retiré puisque c'est la violence. Ça nous montre comment les milices des ayatollahs, ils tuent avec les couteaux, avec les pistolets, avec les haches. Les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas l'argent, les gens qui, quand on voit leur maison, c'est vite. Ils ont tué, on dit, Amnesty International et les autres, ils disent 300-400 personnes. Mes amis, plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Plusieurs milliers. En plus, on les a tués avec pistolet, avec des armes blanches. On a coupé l'Internet pour que vous ne pouvez pas envoyer des documents. Mais après, c'était filmé, envoyé. Nous l'avons des documents. Et après, ils avaient jeté les individus,
les jeunes gens, filles ou garçons, belles et beaux, dans les barrages, vivants, dans les lacs, dans les mers en Iran. L'autre jour, il y a quelqu'un qui dit, mon fils, je l'ai vu que les milices, ils l'ont jeté dans le barrage. Il demande à quelqu'un, un spécialiste, d'aller chercher son fils. Et lui, il va remonter sur l'eau. Il va dire, en bas, il y a des dizaines de corps. Je ne sais pas laquelle c'est ton fils. C'est-à-dire, comme ça, ils ont massacré les gens en Iran, il y a déjà un mois. Et ça fait comme ça depuis 40 ans, mes chers amis. Depuis 40 ans. Alors, le 26 décembre, un jour après Noël, il y a, on appelle une manifestation en Iran en faveur de cette énorme victime qui ont tombé. Énorme. C'est plusieurs milliers, mes chers amis. Et plusieurs milliers de personnes sont toujours en prison. Et le silence que le monde entier est en train de porter sur l'Iran, je ne sais pas c'est quoi. Même les Américains, ils disaient, oh, si le peuple iranien il sort dans la rue, on va les aider. Mais comme vous pouvez constater, c'est le pouvoir qui en aide, pas le peuple. Plusieurs milliers en prison, plusieurs milliers tués. Et le 26 décembre, ça sera un jour de grandes manifestations en Iran en faveur de ces victimes. Je vous embrasse toutes et tous, que la paix, l'amour soient avec vous et dans tous les pays, mes chers amis. Restons toujours humains, humains, être humains, c'est très important. Merci, au revoir, à bientôt. S'ils le prennent, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rentrer et d'aller travailler en faisant que. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux.